gato quanto parda! Ei! Olha o atapato moda! Surf. Groovy, Kit et Monkey s'amusent beaucoup. Et ça, c'est une boîte de conserve? Un bidon? Une bouteille? Oh oh! Tout le monde va bien? Groovy. Kit? Et Monkey? Le voilà! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la mer est pleine de déchets? Une île de déchets s'est formée. Et elle est énorme. Comment est-ce possible? On dirait que Monkey a une idée. On peut peut-être ramasser les déchets de la mer et les apporter sur la plage avec notre planche de surf. Oups, ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. La planche coule. Et elle est tombée près d'un tuyau étrange. C'est ce tuyau qui jette tous ces déchets. Où mène ce tuyau? Quel étrange navire!
Le docteur Spooky, on aurait dû s'en douter. C'est toi qui jettes tes déchets dans la mer. Les enfants, il faut une minute. Qu'est-ce qui flotte dans l'eau? C'est un poisson coincé dans un plastique de canette. Mais Groovy l'a libéré. Allons, Kit. Notre nouvel ami veut te montrer quelque chose. Tu ne croiras jamais où mène ce tuyau. Exactement. C'est le navire du docteur Spooky. Tu as une idée? Laquelle? Groovy s'est transformé en aspirateur géant. Et il a aspiré toute l'île des déchets. Mais il reste une chose à faire. Le docteur Spooky mérite d'être puni. Monkey, prends une grosse pierre. Et Groovy, recrache tous les déchets dans le navire du docteur Spooky. Tel est prix qui croyait prendre, Dr. Spooky. Super, les enfants. Le Dr. Spooky aura beaucoup de mal à nettoyer son navire. Et nous, on se retrouve à la prochaine aventure. Aujourd'hui, nous donnons une fête hawaïenne. Ça va être super. De la musique, des amis, un bon assortiment de fruits et... des spookers? Évidemment, le docteur Spooky ne pouvait pas rater ça. Berk, ce hamburger est plein de gras et dégoûtant. Comme d'habitude, il a une nouvelle idée malfaisante. Quoi? Un spooker danseur? C'est ça ton plan, Dr. Spooky? Une minute. D'où vient ce plateau gigantesque plein de hamburgers? Et que pensez-vous en faire? Le spooker lance tous les fruits. Et il met les hamburgers à leur place. Oh non! Le docteur Spooky a gâché la fête. Et en plus, on commence à avoir faim. Non, Monkey, résiste. N'en avale pas une miette. Ouf, il s'en est fallu de peu. Il y a forcément autre chose que ces horribles hamburgers à manger. Tiens, des noix de coco. Qui adore les noix de coco. Et il est très doué pour les cueillir des palmiers. Miam! Des noix de coco pour tout le monde. Les spookers aussi sont invités.
Tu as encore perdu. Ils s'amusent tous à cette fête, Dr. Spooky. Ton Spooker n'arrête pas de danser. Eh ben, dis donc. Quel match émouvant. Raccoon essaye de voler le ballon, mais quitte l'esquive et le passe à Monkey qui le rattrape le panier. Bien joué, les enfants. Le docteur Spooky et son armée de Spookers. Comment? Ils veulent jouer? J'ai des hauts le cœur. Oh non! Qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent le terrain pour eux seuls? Hors de question. Le terrain est à nous. Faisons un match. Le gagnant garde le terrain. Prêt? C'est parti. Groovy prend le ballon. Mais un Spooker tente de le lui voler. Kit est seul. Groovy lui passe le ballon. Mais attention, un autre Spooker approche. Kit fait une passe entre ses jambes et Raccoon marque. Tiens, tiens, que trame le docteur Spooky? C'est un ballon robotisé, ça. Le Spooker dribble avec le ballon et avance à toute vitesse vers le panier. Raccoon essaye de l'arrêter, mais Kit a intercepté sa passe. Allez, Kit. Kit fait un lancer et... Comment? Le ballon s'est arrêté en plein air. C'est le docteur Spooky. Il le contrôle depuis sa tablette. Non, il l'a déplacé vers l'autre panier. Mais maintenant, il n'arrête pas de marquer des paniers. Il faut faire quelque chose, les garçons. Ils vont gagner. Monkey a une idée. C'est ça. Monkey a détruit le ballon du docteur Spooky. Dis adieu à ton plan, docteur Spooky. Ou peut-être que... Oh, il appelle ses Spookers. Que vas-tu faire de ces outils? Des baskets neuves? Je ne crois pas que ça suffira pour vaincre notre équipe. Et donc, les Spookers ont des baskets à propulseur. Et maintenant, ils peuvent voler. Arrête les raccoons! Oups! Peut-être que Kit peut les arrêter. Mince! Apparemment, il ne peut pas non plus. Allez, Groovy, on compte sur toi. Oh, ce n'était pas ta meilleure passe. Oh non, un autre panier. On va avoir du mal à gagner des points. Il ne faut jamais baisser les bras. Même si parfois, il vaut mieux se retirer à temps. Navré, mais le plan du docteur Spooky fonctionne. Il fonctionne très bien. Allez, Kit, réfléchis. Groovy s'est transformé en aimant. Qu'allez-vous faire, les enfants? Oh, génial!
génial. Bon, il chasse les spookers avec son aimant. Attention, Kit, il y a deux spookers derrière toi. Mais Groovy et Monkey les rattrapent. Et panier. Ça va être du gâteau. Waouh, le docteur Spooky arrive. Tu ne peux rien faire sans tes pièges. Pourquoi tu ris, docteur Spooky? Il ne reste que 10 secondes de match et la différence de points est encore importante. Il faut marquer, et vite! Allez les enfants, vous allez y arriver. Il n'y a plus qu'un panier de différence. C'est pas vrai, docteur Spooky. Allez, Raccoon. Allez, elle y est, elle y est. Non. Attendez, le ballon remonte. Qui t'a mis le dernier panier à la dernière seconde? Bravo, vous avez gagné le match. Vous êtes les meilleurs. Et même le docteur Spooky sait que vous formez une super équipe. Quelle belle journée ensoleillée. Les oiseaux chantent, le soleil brille et... Raccoon cherche quelque chose dans les buissons. Tiens, un ballon. Non, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Ah ah, c'était un œuf de Pâques. Je comprends maintenant. C'est une chasse aux œufs de Pâques. Et tout le monde participe. C'est très amusant. Quand ils auront trouvé le dernier œuf, Granny leur fera un cadeau. En route. Quel étrange moustique. Docteur Spooky, encore toi? Comment? Un dinosaure? Un dinosaure qui crache du feu? Tu es vraiment très méchant, Docteur Spooky. Dinosaure crache du feu, un bébé dinosaure et... œuf de dinosaure. Oh non, le docteur Spooky est dans son laboratoire. Mais que fait-il? L'œuf de dinosaure. Le docteur Spooky va remplacer l'œuf de Pâques violet par l'œuf de dinosaure.
Oh non! Oh. Attention! Monkey! Écoutez tous, grand-mère Granny. L'œuf s'est ouvert, le dinosaure a avancé vers la maison et le dinosaure a secoué la maison. Le dinosaure est là. Oh oh, il se dirige vers Monkey. Attention! Quoi? Oh, le bébé dinosaure veut simplement jouer. Passe-lui le ballon, Monkey. Quel bon tireur! Comme il est mignon! C'est l'heure de découvrir le cadeau de grand-mère Granny. Mais une minute, il n'est plus là. C'est un lapin de Pâques. C'est le docteur Spooky qui l'a. Au fond, même lui a son côté tendre. Allons cueillir des pommes. Tout le monde collabore. Comme c'est amusant. On aurait dû s'en douter. Pendant ce temps, le méchant Dr Spooky les espionne. Et on dirait qu'il a une idée. Tiens, à quoi pense-t-il? Est-ce une araignée? Oh, attention, l'araignée! Qu'est-ce que c'est que ces bouts? L'araignée est en train de grandir. Oh non! Le docteur Spooky a créé une araignée méchante et vorace, à son image. Mais revenons à la cueillette. Pourquoi y a-t-il tellement de vent tout à coup? Le docteur Spooky est là. Il lâche les Spookers. Qu'est-ce qu'ils font? C'était donc ça qu'il préparait. Il lâche tout un tas d'araignées voraces sur notre champ. Oh non! Les araignées vont manger toutes les pommes. Attention, Kit! Monkey a très peur des araignées. Allez, grand-mère Granny, on peut sûrement faire quelque chose. Méchante araignée. Que se passe-t-il, Kit? Une invasion d'arachnides. Courez! Yeah.
Il est temps de faire une potion magique. Allez, grand-mère Granny, aide-nous à résoudre ce problème. Un peu d'essence de coriandre, une pincée de gland d'il y a 1000 ans, un filet de jus d'orange douce et l'ingrédient secret, énormément d'amour. Quelques gouttes de potion et... L'araignée est redevenue gentille. Docteur Spooky, tu es vraiment très méchant. Arrête de nous envoyer tes spookers. Grand-mère Granny est là. Elle a jeté sa potion dans le réservoir. Tout le monde va collaborer pour que le plan soit un succès. Dépêche-toi, Groovy. Mince, le tracteur est cassé. Allez les gars, vous devez réfléchir à un autre plan. Les spookers n'arrêtent pas de lâcher des araignées. Au laboratoire. Super transformation. Super force. Bon, qui a réussi? Les araignées redeviennent gentilles. Tout est redevenu normal dans le champ. Et ils ont donné une bonne leçon aux spookers. À la prochaine aventure.